Salut, ça va, tu vas bien? Ça va bien, et toi? Excuse-moi, je suis vachement late en retard, Rochers, tu vois. Ouais, les périphes étaient bouchés. Ah, le périph était bouché, oh, Rochers total, tu vois. T'aurais pu me coller, t'as bien le téléphone dans la voiture. Ouais, mais j'ai que l'international, j'ai pas le national, donc... Henri Brice n'est pas là, hein? Non, tu sais, je pense qu'il va arriver dans une few minutes. Moi, ce que je te propose, tu me fais un petit topo briefing en attendant, puis on commence les vagues. Okay. Ok, d'accord. Je peux take a chair? Ok, thank you. Tout de suite. Bon, si tu veux, j'ai une super good news. Ouais. Pour notre agence de pub, Pub of Saint-Ouen, ouais. On a les pleins pouvoirs pour mener la campagne présidentielle du candidat Jacques... Chirac? Non, non, Jacques... Lang? Glandu, voilà. Je connais pas. Non, c'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'on ait les mains libres, hein. Qu'on ait? Qu'on ait les mains libres. Non, pardon, qu'on ait les free hands. Excuse-moi. Ah oui, les free hands, oui. Bon, si tu veux, j'ai cogité un maximum, je me suis dit, Jacques Glandu, tu vois, ça passe pas, tu vois. Non. Faut changer le nom. Non, il faut le changer, ouais. Pour les jeunes, à la limite, ce qui serait bien pour les jeunes, c'est de le mettre en verlan. Glandu, tu le mets en verlan, tu fais... On forget, hein. Oui, faut forgetter, oui. Non, si tu veux, j'ai déjà pensé, le prénom, on peut le changer de Jacques en Jack. Déjà, c'est good. Et William, tu es with me? Non, je... Petit coup de barre, excuse-moi. Ouais, j'aime bien Jack and Jack, ça me paraît bien. Sympa. Ouais, ça me paraît chouette. Et ensuite, pour le nom, j'ai cherché du côté de sa femme qui descend en droite ligne d'une famille de notables par un cousin par alliance. Ouais. Bref, ça nous donne à la 11e génération deux Beauregard. Bon, j'oublie le 2, ça fait un peu old régime, ouais. Tu vois. Ce qui nous donne Jack Beauregard. Beauregard. Ouais, à côté de Jacques Glandu, pour les élections, on gagne au moins 10 000 voices. Ah oh, ouais, complet. Complet, ça me paraît better. Ouais. Surtout better. Que ça sonne français, tu vois. Ça sonne oui, alors par contre, là, on a un problème, c'est que son bras droit, lui, il a un nom qui sonne pas vraiment terroir français. Ah bon? C'est Ben Soussan. Et là, j'ai eu beau chercher jusqu'à la 35e génération. Je suis tombé sur Moïse. On forget. Faut forgetter, ouais. Bah, pour la suite, j'aurais besoin d'Henri Brice. Oh là là, il est déjà 18h à New York. Je peux le coller? Vas-y. Non, non, excuse-moi, c'est un faux, c'est pour faire bien, ça. Oh, attends, voilà. j'ai mon perso. T'as deux secondes, je l'appelle. Oh, je... Bob. Hello, yes. Yes, can I speak to Henry Brice, please? Ah, c'est toi? Ouais, c'est Benoît. Bah, on est en plein topo briefing, c'est super good, vachement bien. Ouais. Bon, bah, le mieux, c'est que tu viennes. Eh bah, ben, tu te faufiles, tu fais le plus vite possible. Oui, d'accord, j'arrive le plus rapidement possible. Hein. D'accord. Ouais. Bon, ben, on t'attend. À tout de suite. Ok, à tout de suite. Hein. Oh, t'as fait vite. Oh, hein, ça va? Ça va, ça biche? Ouais, tiens, ça biche. Je te confie le dossier, tu touches à rien, Coco. Salut, William. Excuse-moi, je suis là. Ça dit bordel, ouais. Ouais, ça va, ouais, super. Bon, les gars, j'ai bossé comme un fou toute la nuit, là. Ouais. Toute la nuit. Et en sortant de boîte de nuit vers 7h du matin, tu vois, j'ai trouvé The ID, tu vois. Ouais. Alors, toute ma stratégie est basée sur le curriculum. Ouais. Attends, je m'excuse, je n'ai pas eu le curriculum, hein, HB. Oh mince, alors, tu n'as pas le cure. Non, j'ai pas le cure, ça va être toi, ah. Benoît qui. Benoît. Tu as le cure, Benoît. Benoît, on en a besoin, le cure. Ok. Ah ouais, le cure, ouais. Bon, si tu veux, son parcours est assez classique. Hein. Il a été ministre sous Giscard d'Estaing, ensuite il travaille pour François Mitterrand, et aujourd'hui il hésite entre l'écologie et le Front National, avec lequel il refuse toute alliance. Voilà. Donc ça nous donnerait Jack Beauregard pour une politique ferme, mais pas trop. Ouais. Ouais, ça me paraît pas mal, ça. Mais ça me rappelle quelque chose, ça. Ferme, mais pas trop. Bah, disons que c'était notre campagne de publicité pour le camembert bridoulou. J'ai repris le concept, mais ça fonctionne. Ouais, hein. Ouais, non, ça, c'est grave, hein, ça. Parce que si les gens, ils s'en rendent compte... Ouais. Alors, si j'ai bien compris le profil du candidat, donc Jack Beauregard, c'est l'homme qui rassemble la droite et la gauche dans une nouvelle tendance politique. Ouais, hein. C'est ça. OK. Donc, ça nous donnerait la droiche. La gaute, hein, comme tu veux. Ouais. L'idée, c'est de... Ouais, on peut aller plus loin. Ok, je follow. Donc ensuite, voilà, je me suis posé une question. Est-ce qu'on peut se servir de l'immigration? Je pense oui. Que oui. Alors oui. Là, on s'est dit avec Henri Brice, surtout pas de clin d'œil vis-à-vis du Front National. Voilà, faire un ça. Choix. Ouais. Alors justement, c'est pour ça qu'il fallait trouver un compromis entre dehors les Arabes et bienvenue aux émigrés. Bien sûr. Ça nous donnerait maghrébin, ne partez pas tout de suite. Ah ouais, ouais. Qui c'est qui a trouvé ça, là? C'est moi. Non, c'est moi. Non, parce que moi, j'aime pas du tout, hein.
Bah, l'idée de départ, c'est lui, parce que c'est lui, il a pensé. Non, je vais te dire pourquoi, parce que moi, je suis un mec de gauche, tu vois, et là, je vais te dire, l'électorat de gauche, là, on le perd complètement, hein. On perd plus grand-chose, faut le dire. Bon, William, si tu peux follower. Okay, je follow. Alors, j'ai fait une campagne d'affichage, tu vois, avec des phrases simples hein, pour les gens, parce que les gens, tu comprends. Ouais. Ok, faut cibler. Alors, j'ai fait ça en plusieurs temps, ça nous donnerait. Première semaine, qui c'est qu'il nous faut? Alors, accroche, réflexion, ok. Deuxième semaine, qui c'est qu'il nous faut voter pour? Besoin, nécessité, je comprends, ok. Je comprends. Troisième semaine. Mais attends, je t'arrête, il y a combien de semaines là? 15 semaines. Tu peux aller à la dernière direct, s'il te plaît. Ok, là, si tu veux, pas de problème. Alors, la 15e semaine, The Answer, la réponse. Jack, bon regard. Oui. Alors, là, les cocos, je suis en train de me demander si bon regard, c'est le nom qui convient. Moi, glandu, j'aimais bien. Ça collait mieux, ça collait mieux. Non, moi, je pense qu'on retrouve bien dans ses yeux le compromis droite-gauche. Écoute, je sais pas, parce que moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, HB, tu vois. Donc, on n'a plus le temps de tout changer. On regarde la photo comme ça. À la limite, Bourgard, on peut le foutre ici, tu vois. Puis ça sauve le truc. Bon, moi, je suis pas convaincu qu'il faille la faire, cette campagne. Hein. On a combien de budget? 2 milliards. Il faut la faire. Parce qu'on a autre chose, on a aussi les spots radio, tu les as? J'ai fait les spots radio. Les spots radio, c'est important. Tu veux les écouter? On les écoute. Alain, les spots radio, s'il te plaît. Spots radio. Des promesses, faut que ça cesse. Faites vite le bon choix, Jacques Bourgard. Souple et solide à la fois. Oh, c'est techno, quoi. Tout le budget n'est pas passé là-dedans, quand même. Non. Un tiers, disons. On l'a enregistré à l'île Maurice pour la francophonie. Ouais. Mais c'est efficace, hein. Ouais. Sinon, on a des pins Beauregard, si ah tu oui, veux. Les pins Beauregard. Oui, chaque personne qui votera Beauregard gagne un pin. Voilà. Un pin Beauregard. Non, les enfants, c'est out of mode complet, les pins. On peut pas. Si les gens, ils voient ça... Oui, mais les gens... Oui, non, mais attention, il faut pas oublier l'éthique de la maison, les enfants. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Alors, bon, si ça vous dérange pas, moi, je vais faire Fissa parce que j'ai un petit... Attends, avant que tu nous livres, oui. Parce que là, il est déjà 17h à Singapour. Mais c'est fini, là. On peut écouter, non, on a le spot radio de l'autre produit. Oui, l'autre. C'est le papier hygiénique doudou. Juste un spot radio. Oui, on l'écoute. Écoute, papier hygiénique doudou. Je le découvre avec un toi. Un autre univers, allons-y. Pour vos fesses, vos petites fesses, quand ça presse, faites vite le bon choix, papier cul doudou, souple et solide à la fois.